ton film ou ta série préférée. Le film 300. Mais Sparta ! Salut tout le monde, c'est Adrien Rabiot et c'est 21 questions avec. Ton but préféré que t'as marqué à la Juventus. Le but contre le Milan à San Siro. Le joueur qui t'a le plus inspiré en grandissant. Steven Gerrard. L'endroit où tu préfères partir en vacances. En France, il y a beaucoup de beaux endroits. Le pays que tu rêves de visiter. Japon. Marquer le but de la victoire à la dernière minute ou marquer un triplé. Triplé et on gagne. Ouais. Triplé. Ton album ou ton artiste préféré. Le dernier album de SDM. Qui dans l'équipe est le plus susceptible de se rendre compte à l'aéroport qu'il a oublié son passeport. Moïse. Ton plat préféré. Bonne question. Bon, en ce moment, on est en hiver, je dirais une bonne raclette. Passer une journée de repos à la maison ou sortir et faire quelque chose dehors. Je dirais à la maison. On a peu de repos donc. Le maillot préféré que tu apportes à la Juventus. Le maillot au Palace. Ton film ou ta série préférée. Le film 300. La dernière série que tu as regardée. Shameless. Ton meilleur souvenir à la Juventus. Le Scudetto, première saison. Le joueur qui t'impressionne le plus dans l'équipe en ce moment. Danilo pour sa régularité. Qui dans l'équipe a le meilleur style vestimentaire. Je dirais Mathia Perrin, ça lui bien. Si tu devais choisir la nourriture d'un seul pays à manger pour le reste de ta vie, ce serait quoi? La nourriture d'un seul pays? Un seul pays. Je dirais nourriture japonaise. Quelle est la chose que tu préfères faire à Turin et, ou ce que tu préfères en Italie? À Turin, j'aime bien aller me promener au parc Valentino avec mes chiens. Tu préfères passer des vacances d'hiver à la montagne ou en été à la plage? Sincèrement, j'aime bien les deux. Si tu n'avais pas été footballeur, dans quel sport est-ce que tu aurais aimé être professionnel? Athlétisme, je pense. Qui est le joueur le plus drôle de l'équipe? Pinsoglio. Et qui est le pire joueur à FIFA dans l'équipe? Le pire joueur à FIFA? J'ai pas joué contre tout le monde. Je dirais Cuadrado. C'était Adrien Rabiot, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un j'aime et abonnez-vous.